Good morning, allez, Iden, les tussera aujourd'hui, les lonishma, Janine Ruth, Bat Fortune, Mazal Fredna, Lachia, Bat Mazal Tov, Lucien Batraina et Claude Shlomo, Ben Shalom. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel. Nous étions Maseret Gittin, Perekhe, Mishnah Gimel, En Mosin, Lachilat Perot, ou le Shvach Karkaot, Vlimzon Aisha, Vea Banot, Minechassim, Mesho, Badim, Mipenei Tikkun Aolam. Vea Motse Metsia, Loishava, Mipenei Tikkun Aolam. Des nouveaux décrets que Chachamim ont fait pour le bon fonctionnement du monde, le tikkun haolam, que les choses se passent bien, que les gens se proposent pour faire des choses intéressantes, et ainsi de suite. On a deux sujets différents. Le premier sujet, en rapport avec les gviot baal chov, le fait de se faire rembourser des dettes, comme on a déjà évoqué dans les deux missions précédentes, la saisie des biens. Lorsque quelqu'un me donne de l'argent, je rappelle un point de base d'abord. J'empruntais de l'argent avec un shtar, vous m'avez prêté de l'argent avec un shtar, on a fait signer deux témoins, à telle date, Rosh Chodesh, Cheshvan, 5782, je vous ai prêté 100 000 euros. D'accord? La vie continue pour le moment, tout se passe très bien. Aujourd'hui, maintenant, arrive l'échéance après 2 ans et demi, je réclame que vous me payez. Vous n'avez pas d'argent, qu'est-ce que je dois faire? Très simple. Moi, au moment où j'ai prêté de l'argent, j'étais assez intelligent pour vérifier que vous aviez des biens, comme ça au pire, je récupérais mon argent. Du coup, vous avez plus ces biens aujourd'hui parce que vous les avez dilapidés, il n'y a aucun problème. La personne qui les a achetés, il les a achetés, lui, en 5783. Il vient après moi, je vais lui dire, écoute-moi, mon cher ami, regarde, j'ai un shtar, qui est plus, j'ai un contrat de dette qui est plus, qui précède ton achat. Donc j'ai un droit saisi sur ce bien, je prends ce bien, toi tu repars chez lui et tu te fais récupérer ta dette. Ok? Ça, c'est le point de base, où on va prendre un bien. Il y a encore une autre situation où est-ce qu'on va récupérer des biens, c'est mieux que ça encore, c'est que lui, il a vendu son bien, et puis moi je viens prouver que maintenant ce bien qu'il a vendu, en réalité, il m'appartient. Je vais le récupérer. Aussi, parce que c'est normal, c'est le mien, il a été volé par erreur, il a commencé à se l'annexer, mais finalement, il a eu le temps de le construire, de le vendre, et maintenant je récupère ce bien de nouveau parce qu'il m'appartient. Toutes sortes de raisons, ce que j'insiste, c'est qu'il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles je vais aller récupérer des biens qui ont été vendus. Parce qu'il est engagé à me les payer. Il y a encore une autre situation maintenant, c'est ce qu'on appelle la chilat perot, un homme qui s'est engagé, par exemple, que il devra nourrir ses enfants, ses filles, après, lorsqu'il mourra, par exemple, il s'est engagé à nourrir ses enfants pendant X temps. Les enfants de sa femme, par exemple. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles, donc, un homme débarque aujourd'hui avec un shtar et te dit, écoute-moi, tu dois me rembourser. On va parler dans notre Mishnah hein, de lorsque j'ai donc quelqu'un qui me doit de l'argent, pour toutes ces raisons qu'on a évoquées, que Chachamim ont fait des décrets que je ne peux pas partir chercher les biens qui ont été vendus pour récupérer mon argent cette fois-ci. Toutes sortes de situations, le principe il est très simple. D'abord je vais expliquer le principe, après on va entrer dans les exemples. Chachamim ont décrété que, en théorie, on a besoin que les gens achètent et vendent les biens. Imaginez les biens qui vont rester bloqués, ça va faire des plus-values pour les biens en vente, ça va faire un marché d'immobilier qui va complètement sortir de toutes les proportions, comme ce qui se passe un peu en Israël, c'est trop violent, d'accord? Donc Rahamim avait un intérêt à ce que ce soit assez facile, pour ce que lorsqu'on veut vendre un bien, qu'on puisse facilement l'acheter, c'est-à-dire facilement vérifier qu'il n'y a pas de dette dessus, qu'il ne soit pas engagé, qu'il ne soit pas porté garant, ou qu'il ne soit pas hypothéqué pour une autre dette, et comme ça on peut vite faire arriver au problème. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on se retrouve avec des dettes qu'on ne peut pas du tout évaluer? On ne sait pas combien ça va coûter. Ça peut être une folie, ça peut être... Ouais, je vais moi aller acheter... Je suis très intéressé en ce moment à partir acheter le hangar de Réhouven. Ma seule crainte, c'est que va savoir si finalement je ne vais pas m'entrever que Réhouven, il a des dettes, il est criblé de dettes, et qu'on va venir me l'enlever. Alors, si on parle de dettes fixes, nettes, alors on peut facilement réaliser... Les gens savent qu'il y a 2 ans, il a fait une action, et il a acheté un terrain, il a fait, et puis il a emprunté tel et tel argent, donc il a engagé son bien pour un montant de 200 000 euros. Au moins, on est net, on a compris, on sait.
on sait se préparer et anticiper, savoir est-ce qu'on achète ou on n'achète pas. Mais imaginez qu'en fait il a des dettes qu'on ne sait pas calculer, il n'y a aucun moyen de calculer. Pourquoi? Il s'est engagé à payer la nourriture de ses enfants jusqu'à qu'ils viennent, qu'ils aient 20 ans. Et 2 minutes, c'est combien payer la nourriture des enfants? On n'a pas d'évaluation nette à faire. Ça peut bouger, ça peut être, ça peut varier entre 10 000 et 50 000. Donc du coup, là là, moi, je ne vais pas m'engager, va savoir si je ne vais pas me retrouver à payer des sommes astronomiques. Ou encore mieux que ça. Imaginez par exemple que Réhouven, il a volé un bien, et puis entre-temps, il a revendu, toutes sortes de situations où il y a l'acheteur, il a construit. Peut-être que je vais mieux l'expliquer, parce qu'il va être évoqué tout de suite dans la Mishnah, que on va mieux... Lorsque Réhouven, on a évoqué le cas, que Réhouven, il a vendu un bien, puis il prévient la personne volée, lui dit, cher ami, ce bien m'appartenait en fait en réalité, donc maintenant je récupère mon bien, toi, le contrat de vente qui t'a fait, tu récupères de Réhouven, et réellement, tu peux récupérer aussi, même tous ces biens sont aussi engagés pour te payer la dette. Là, on n'a pas de problème. Mais qu'est-ce qui se passe si maintenant l'acheteur, il a construit un immeuble, ça lui a coûté 4 millions d'euros. Elle a construit un immeuble, maintenant, vient le propriétaire et récupère ce terrain, sans rien payer, ça dépend, des fois oui, des fois non, on ne va pas entrer dans les détails. Il y a des situations où on va récupérer même l'immeuble qu'il a construit, et l'acheteur va repartir chez le vendeur, chez Réhouven, pour lui dire, rends-moi maintenant tout ce que j'ai investi, et il doit lui rendre. Imaginez que maintenant, ce pauvre acheteur qui s'est fait avoir, imaginez qu'on va lui permettre de récupérer les biens qui ont été hypothéqués. Ça signifie que maintenant, il y a aucun, on ne peut pas savoir combien il va... On va se retrouver dans une situation, en fait, concrètement, il va partir faire une saisie de biens sur des montants illimités. On ne sait pas combien ça peut coûter. Donc du coup, Khamim, enfin, des ils ont dit, écoute-moi, le Keren, le prix du terrain, tu pourras le récupérer des hypothèques. Mais tout ce que tu as investi, ce qu'on appelle les perrottes, tu ne pourras plus le récupérer des hypothèques. Vous avez compris le principe? En deux mots, je vous explique très simplement, l'idée générale, avant les cas concrets, c'est que lorsqu'on emprunte, lorsque je veux faire une saisie de biens, si j'ai un montant fixe, j'ai un droit de partir les prendre, même des gens qui ont acheté les terrains de mon créancier, de mon emprunteur. Mais si toutefois, c'est quelque chose qu'on ne peut pas évaluer, Ramim m'a décrit que je ne peux pas partir les prendre, parce que sinon, ça va provoquer que les gens ne vont plus vouloir acheter, parce que, imagine, t'achètes, t'es tout content, tu fais un bénéfice, et puis au bout de 2 ans, on vient te saisir le bien, tu te retrouves sans rien dans les mains, en train de courir après un vendeur, sans pouvoir maintenant repartir, aller prendre ses conseils, tu vas plus pouvoir, on va bloquer le marché de l'immobilier, et ça va faire des plus-values, et ça va faire des catastrophes, quoi, d'accord? Maintenant, on va faire ça dans les mots. En motzin l'achilat perot. On ne pourra pas partir saisir un bien qui a été vendu. L'achilat perot. Si je veux me faire rembourser les perot, ou les shvar karkaot, ou bien pour les plus-values, pour tout ce que j'ai construit et ce que j'ai investi dans un terrain. Là, on est en train de prendre l'exemple qui a eu une personne qui a acheté d'un voleur et qui a construit sur ce terrain. Et que maintenant, on va lui faire une saisie de ses biens, et cet acheteur va repartir chez le vendeur pour récupérer le shvar karkaot, ce qu'il a amélioré dans les terrains et la construction de l'immeuble. Achilat perot, c'est encore en détail, c'est les fruits qui étaient sur le point. Il avait planté des vignes, et maintenant il a les perot qu'il doit récupérer. C'est encore une petite nuance, mais si on rentre dans trop de détails, ça va vraiment être trop lourd pour vous. Et à part ça encore, le mazon Aïcha et Abanoto, encore pour une autre situation, c'est qu'il s'était engagé à nourrir sa femme après sa mort et ses filles. Que maintenant, la femme et les filles qui vont partir faire une saisie de biens pour se nourrir, elles ne pourront pas prendre les biens qui ont été vendus par l'acheteur, parce que sinon, de nouveau, on ne peut pas évaluer et anticiper le problème. Et donc, tout ça, on ne pourra pas le prendre de minechassim meshu badim, des biens qui ont été engagés et donc vendus chez d'autres personnes, mipne tikkun olam, pour le bon fonctionnement du monde. Comme nous dit le Barthénora en une phrase, chez Abdevarim, chez NM Kitzba, car ce sont des choses qui n'ont aucune, qui n'ont pas de limite, on ne sait pas les évaluer. Velo Yeda Kamahem, Velo Matsim Mizdaher,
Et là, le pauvre acheteur ne pourra pas les évaluer, il n'aura aucun moyen, et puis il ne pourra pas faire attention, et du coup, alors quoi? Et du coup, d'abord, on n'a pas envie de le planter, et surtout, ça va en fait faire que les gens ne vont plus acheter, et puis voilà. Ok? Autre sujet, la motse metzia loishava mipnei tikkun olam. Celui qui trouve une trouvaille, loishava, il n'aura pas besoin de jurer mipnei tikkun olam à cause du bon fonctionnement du monde. Là, on parle d'un tout autre sujet. On est dans le. D'abord, si je vous soupçonne que je vous ai prêté une fois quelque chose, je vous ai mis en gage quelque chose, et vous ne me l'avez pas rendu, je vous impose, je vous amène au Beit Din, je vous fais jurer. D'accord? Je vous fais jurer une joie de Horaïta, joie de Picadon. Il y a quelques petites conditions, de mode Bemiktsat, si vous vous en rappelez. Mais que, par exemple, je dirais, je t'ai mis en. Imaginez, j'ai mis un gage à lui, je t'ai donné mon porte-monnaie, mon portefeuille à garder, il y avait dedans 2000 shekels, et puis j'ai trouvé que 1000. Tu me dois 1000 encore. Et l'autre, il me dit, ma chérie Narta, t'as un hôtel, ce que j'ai mis, je récupère. Alors je l'amène au Beit Din et je lui dis, écoutez-moi, j'ai mis en garantie chez lui, j'ai mis en gage, j'ai mis en dépôt chez lui 2000 shekels, lui il prétend qu'il a rendu que 1000, je le fais jurer qu'il n'a pas pris 1000. J'ai le droit de le faire jurer. Selon ce principe, Minatora, imaginez que Réhouven, il a trouvé mon portefeuille, il a mis la petite annonce, j'ai trouvé un portefeuille. Et moi j'ai perdu mon portefeuille, je viens chez Réhouven, je lui dis, Kolakabod Réhouven, que tu fais la mise à ta Shavata Veda, le portefeuille il est comme ci, comme ça, il a tel siman. Il me dit, effectivement, tiens, il me le rend. Je lui dis, oh, merci. Et du coup, je prends le portefeuille, j'ouvre, et je regarde qu'en fait, il n'y a plus que 1000 shekels. Je lui dis, mais attends, il y avait plus d'argent. Je le regarde et je vois qu'il est un peu hésitant, il commence à rougir. Je lui dis, ah, ben, je sais pas. Et tu m'as pris 1000 shekels, Nachon. Il me dit, non, pas du tout, c'est ce que j'ai trouvé, je te rembourse. Ah, comme ça, maintenant, je le soupçonne qu'il m'a volé. Selon la loi stricte de la Torah, j'aurais le droit de le prendre et d'amener au Beit Din et de dire, écoutez-moi, Réhouven, ce grand sadique à moitié, il a effectivement trouvé mon portefeuille, quoi, la cavode, il veut me le rendre, mais il m'a pris 1000 shekels à la derrière, sur le chemin. Du coup, je le réclame et je le fais jurer. Et il devrait jurer qu'il n'a effectivement pas volé. Ça, c'était selon la halakha stricte. Maintenant, suite à ça, Khamim, on dit, mais 2000, on va se retrouver avec des gens qui vont plus vouloir faire d'achat à Veda. Parce qu'imaginez que réellement, il a rougi, parce qu'en fait, il a une nature un petit peu trop émotive, mais il a réellement pas volé, on va le faire jurer. Lui, il n'a pas envie de jurer. Ça le dérange, ça lui prend la tête. Faire une belle mitzvah d'aider quelqu'un qui a perdu quelque chose et de le lui rendre, ça devient un cassement de tête, où il faut maintenant partir au Beit Din, se mettre à jurer, alors j'ai pas envie de jurer. Les gens, ils vont commencer à arrêter de faire le mitzvah de la Shabbat Aveda. C'est trop infernal comme histoire. Une petite aide, on vient pour aider... 10 minutes de son temps, on donne pour quelqu'un d'autre, ça se transforme en partir au Beit Din et se mettre à jurer. Les gens, ils vont plus vouloir faire Shabbat Aveda. C'est logique, c'est ce qui va arriver. Donc, Chachamim m'ont décrété, on dit, tu sais quoi? Bien, pour le bon fonctionnement du monde, lorsque quelqu'un veut rendre une Shabbat Aveda, on ne le fera jamais jurer, c'est tout. Et comme ça, les gens, ils vont facilement prendre les Avedot, les trouvailles, et les restituer à leur propriétaire. Et puis si t'as perdu, ben tant pis, on n'a rien à faire pour toi. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha comme tout vous savez.